Alors on se retrouve sur le toit du ferrailleur avec Burns in Row. Comment ça va, messieurs? Ça va, il fait beau. Beau décor, c'est cool. Merci de nous accorder un peu de temps. Vous avez enregistré du coup votre set pour l'émission il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé? C'était cool sur le côté où en fait c'est un plateau télé, c'est pas une salle de concert. Donc en fait on ressent moins le manque de public. Donc en ça ça n'a pas été compliqué. Après par contre c'est vrai que ça nous rappelle pourquoi ça nous manque de faire des concerts avec des gens pour pouvoir rencontrer les gens. Enfin c'est un peu pour ça qu'on fait ça à la base quoi. Mais alors Burns in Row, pour ceux qui vous connaissent pas, vous êtes un trio de post-hardcore originaire de Laval, au compteur 4 EP, 2 albums signés sur le prestigieux label Deathwish et quasiment 1000 concerts en 10 ans. Australie, Serbie, Mexique, Malaisie, Philippines, Japon, USA, un an sans live. Comment est-ce que vous avez vécu cette année? Personnellement, c'était la première fois depuis mes 14 ans que je joue aussi peu de concerts. Ouais, on est passé vraiment l'année la plus chargée en concert de ma vie à l'année la moins chargée du tout quoi. Enfin, donc c'est vrai que ça fait tout bizarre et pour autant sur le coup quand même on était limite soulagés parce qu'on avoir le confort de pouvoir vraiment se mettre dans de la compo par contre ça faisait vraiment un moment aussi parce que on n'avait même pas pu composer depuis qu'on avait changé de batteur. Donc ça, c'était quand même intéressant sur le coup. Maintenant, c'est un peu long maintenant. Et alors, 1000 concerts en 10 ans, pour vous, le live, ça a une place très importante. Vous jouez autant dans des petits lieux autogérés que dans des gros festivals. Et le fait que vous veniez de Laval, je crois que ça vous donne aussi envie d'aller dans des petites villes. Pour vous, le live, c'est vraiment quelque chose de primordial dans votre démarche. C'est un peu la racine du genre de musique qu'on fait. C'est pas nécessairement... Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas forcément un genre de musique que tu vas écouter en buvant ton café le matin ou c'est pas un genre de musique qui passe à la radio par exemple, c'est une musique qui est assez physique et un peu viscérale et tout, donc en fait ça se vit vraiment le plus en live au final. Les concerts, la majeure partie du temps, on les voyait dans des bars, donc c'est une jauge à 80 personnes ou des trucs comme ça, et l'idée qu'on puisse descendre de scène et rencontrer les gens dès la sortie de scène et qu'on puisse interagir sur... comment ils ont vécu le concert, le rapport qu'ils ont à notre musique, etc. Machin, c'est ultra important pour nous en fait. Enfin, jusque là, j'espère qu'on gardera le feu sacré le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que de jouer devant 10 personnes ou plus, on essaie d'avoir le même kiff et d'envoyer autant quoi. Et généralement, vos albums ont des thèmes assez particuliers. Là, vous travaillez sur votre troisième album. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? L'album est fini d'être enregistré, de mixer. Il est en train d'être masterisé là. On a toujours eu un double message, à savoir vivre avec des idéaux et des utopies, etc. C'est compliqué parce qu'on se heurte à énormément de murs. Donc ça rend toutes les choses de la vie un peu déprimantes, mais en essayant toujours de dire aux gens il y a une lumière au fond du tunnel quoi. Et le dernier album ne déroge pas trop à la règle, il est juste, je pense, il est un petit peu plus centré sur justement la partie très déprime, dépression, etc. C'est un peu ça prend un peu, on va dire, le différents points de vue autour de la dépression. À savoir les choses, forcément les choses qui sont pesantes, etc. machin, mais aussi les rencontres qu'on peut faire à travers ça, bizarrement, l'énergie qu'on peut trouver là-dedans. Forcément, nous, on n'essaye pas d'avoir un discours de but en blanc, frontal, à dire aux gens quoi penser, c'est pas notre intérêt. Enfin, on pense que les gens sont assez intelligents pour faire leur propre sauce avec ce qu'on a à dire. Je pense que c'est le premier album, l'un des albums où on a le plus de textes qui sont vraiment assez... assez politisés, assez en mode genre... ça, c'est pas cool. ça va falloir arrêter parce que ça commence à nous les casser. Toi, Quentin, tu as une histoire un peu particulière avec le ferrailleur. Tu as un lien particulier avec ce lieu depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai fait mes études à Nantes dans justement la lumière de spectacle vivant. Donc je faisais ma petite théorie à l'école. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu l'occasion de venir faire un groupe de Laval qui jouait au ferrailleur. Et puis j'ai tout de suite sympathisé avec les autres lighteux qui bossaient là. Et en fait, j'ai vite compris que j'allais apprendre le vrai du vrai, j'allais l'apprendre ici, quoi. Ça m'a créé des opportunités trop cool, comme les premières fois où j'ai fait les lights de Trépalium. Du coup, ensuite, la tournée Gojira, tout ça, ça a découlé de ma rencontre avec Charlie, Nico, Matt Light. Et ça m'a vraiment lancé dans la lumière. Et moi, je me sens bien ici avec les gens qui sont là, quoi. Ça me fait toujours plaisir de revenir. Ça fait plaisir. Merci, messieurs, de nous avoir accordé du temps. Merci à toi. Et très bonne journée. Merci beaucoup. Bisous. Merci beaucoup.
I must say, you're the clouds in my brain, my heart can soak from the strings till it dried away. Only time can save a soul and cover all our mistakes and make me forget your face. So now I pray for your shadow to never hide me from.
knew you were the price it. The rust is on my back. All honesty, nonsense, the crease on your lens, choking your phone cracks.